Oh shit, mother! My mistake. Your fault. Lick, lick, lick my balls! Yeah, say that all the time. And that's the way the news goes. Run, bitch! Run! Donc là, on va refaire une vidéo, c'est ça que t'es en train de m'expliquer. Purée, ça fait je sais pas combien d'heures qu'on tourne, et là on va refaire encore... Écoute, ça va être très simple. Il faut qu'on fasse des vidéos tout le temps. Au moins après, je peux juste faire le montage, et paf, c'est fait. Tu vois, là, c'est une journée bien complète, on tourne beaucoup, etc. Et puis ensuite, on fera le montage, on s'éclate, tu vois. Non mais là, tu m'en demandes trop. En plus, attends... Moi, j'étais sous les tropiques, au soleil, avec des nanas. J'étais juste dans le couloir. On va commencer l'émission. Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, de livres et de jeux vidéo, ou films qu'il faut avoir lu, vu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Joker, l'homme qui rit, créé par Ed Brubaker, Greg Rucka, Doug McKnay, Michael Lark. Et sincèrement, est-ce que vous pouvez avoir des noms un peu plus faciles? Alors franchement, je vous jure, c'est compliqué. Voilà, tu commences déjà à attaquer les noms comme ça là? Ça va mal finir cette vidéo. Bon, au lieu de me critiquer là, balance l'histoire. Ben, ça parle d'un nouveau justicier dont je tairai le nom. Bon, ce nouveau justicier, il vient hanter les rues de Gotham City en mettant sur ses victimes un sourire crispé et indélébile. Il va se montrer à la télé et va menacer de tuer tous les importants hommes de la ville pour faire rire. Juste pour faire rire. Voici en gros le début du Joker. Début du Joker? Du coup, masterpiece ou pas masterpiece? C'est ce qu'on va voir déjà avec la première partie. La couverture est juste magnifique. On y voit toute la folie du Joker et on voit surtout le super travail du dessin avec sa tête et ses expressions du visage. Non mais regardez-moi ça! Les cases aussi dans le livre sont juste incroyables. Il y a tout ce que l'on aime, du réalisme, des détails, bref, tout y est pour qu'on soit totalement immergé dans l'histoire. De plus, on a les ambiances, les couleurs. C'est juste vraiment super bien choisi, super précis. C'est ce qui rend les effets de surprise ou les sentiments de personnages retranscrits directement sur nous. Exactement comme ça. Seriously? Alors, je suis désolé hein, pour cette deuxième partie, mais je vais devoir spoil. Alors... Oui, c'est une masterpiece, et oui, je le dis avant, mais au moins ça vous permet de pas trop être spoil si vous voulez le lire, ou sinon, si vous vous en fichez, vous pouvez continuer. Allez, je vous laisse 3 petites secondes. Bon, allez, peut-être un peu plus, parce qu'en fait, il faut que j'augmente un peu la durée de mes vidéos, sinon c'est pas sympa. Bon, c'est bon ? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui est vraiment fort dans ce comics? Eh ben, ce qui est très fort, c'est les différents points de vue. On passe du commissaire Gordon à Bruce Wayne, en passant par Batman, mais avec toujours un seul sujet. L'enquête sur le Joker. Ceci est très différent de Batman année 1, qui pour moi était vraiment très décousu,
Ici, lorsqu'on a un point de vue, on le garde jusqu'à la fin de l'action, ou jusqu'alors il se croise, et là, il y a une transition. On a toujours un fil rouge, une belle transition, un point commun entre les deux. Et ça, c'est ce qui manquait à Batman Année 1. Et là, tout est ficelé d'une manière... Mamma mia! Alors là, du coup, je vais devoir parler les phases où Bruce fait son enquête de son côté, et les phases où Gordon garde les victimes. Nous sommes jamais perdus entre les deux. Il y a toujours un raccordement avec. Et tous les petits points noirs où vous vous dites « Tiens, c'est un peu bizarre, tout ça et tout », eh ben ça va être expliqué. Ça nous laisse pas comme ça dans le flou. Et ça, c'est super bien fourni. On a surtout aussi le fait que Bruce Wayne devient une cible du Joker. Et ça, c'est une extrême bonne chose. Le fait de mettre Batman dos au mur. T'es sérieux là ? Tu vas pas parler de la chose la plus importante et la meilleure qu'il y a dans ce livre ? Le lien entre Batman et le Joker. C'est-à-dire le lien avec The Killing Joke. Un livre qui fait un lien avec le top du top de la masterpiece. Ce livre est forcément un descendant de celui-ci. Alors ça veut dire que c'est une masterpiece à ne pas manquer ? Comme The Killing Joke ? Alors oui. Mais d'abord, j'ai quand même envie de vous expliquer le lien. Batman, en faisant l'enquête, a compris qu'il était à l'origine du Joker, et il s'en veut, car indirectement, il est responsable des morts du Joker. Car s'il ne l'avait pas fait, je veux dire tomber le Joker, eh ben, il ne serait pas ce qu'il est maintenant. En fait, Batman est à l'origine du Joker. Fin. Oh mon Dieu, c'est trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! Ouh ! Alors, Joker l'homme qui rit, masterpiece de chez masterpiece, validé. On a tout, l'histoire qui est incroyable, le Joker qui est un vrai Joker et que tout le monde veut, que tout le monde a en tête, et un Bruce Wayne, et un Batman qui jonque super bien entre les deux personnages, bref, que du lourd. Joker l'homme qui rit, c'est la masterpiece aussi à ne pas louper. Si vous aimez le Joker, vous aimerez le Joker l'homme qui rit. Hey, Kiri, Kiri! Alors, c'est comme ça que tu me lances la chronique bonus. Bon, bah alors chronique bonus. On va parler des cibles mouvantes. Bah vas-y, fais-nous un petit résumé. Alors c'est simple, hein. On suit le JCPD durant une enquête sur le Joker qui veut tuer des innocents dans différents endroits de la ville. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est vraiment tout ? Alors oui, c'est vraiment tout. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que au début, je ne trouvais vraiment pas ça fou. En fait, je ne comprenais pas vraiment ce que j'étais en train de lire, et je me suis même demandé si c'était bien une histoire de DC. Et pourtant, oui, c'en est une. En fait, tout y est pour que l'on suive comme un épisode des experts. Mais en étant avec eux, avec les rigolades, le stress, les pleurs, et surtout les moments épiques où on voit Batman arriver. On est constamment dans le flou, comme les policiers dans l'univers de Batman. Alors là, tu nous conseilles de lire les experts sur papier ? Sincèrement, laisse-moi les experts à Miami. En plus, il est roux, il est classe, il a des lunettes de soleil et tout. Il est pas comme toi ? Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que vous allez la voir avec l'homme qui rit, avec bien évidemment l'édition d'Urban Comics, et vraiment c'est une très bonne chose. Parce que c'est un récit d'un seul point de vue, et tout y est pour qu'on soit dans l'histoire, et en plus c'est une histoire avec tellement de retournements de situation, on voit rien venir. Enfin en tout cas, moi je n'ai rien vu venir, et pourtant je suis plutôt bon à voir les choses venir, croyez-moi. Donc... franchement, vous pouvez le lire sans aucun problème. Oh bah ça y est, t'as fini ? On a fini ? Allez, à moi le soleil, les nanas. Ah, que la belle vie. Fuck human beings, fuck humanity. 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 Your world is still doomed.
I am the way. Go, 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 go. Trouble. I don't think so.